bonjour. Bonjour. Notre invitée aujourd'hui est Brigitte Auriol. Brigitte Auriol, vous êtes psychothérapeute, vous exercez à Bagnols-sur-Cèze. Oui. Et une grosse partie de votre travail est, je crois, d'aider les parents à sortir du cycle infernal qui pèse sur eux quand ils ont subi des violences et qu'ils ne veulent pas les reproduire sur ces enfants. Vous êtes très attachée à ce point particulier de la vie de famille, de la vie des parents. Oui, pour une raison, c'est que ces parents-là peuvent être éduqués, leurs enfants, avec très souvent des sentiments de haine qu'ils ignorent et qu'ils vont déployer sur leurs enfants. Et ça, c'est grave, oui. Donc, c'est chercher les raisons un petit peu de cette haine qui est là, oui, et qui fait qu'ils ne peuvent pas faire autrement, tant qu'ils n'ont pas décelé les raisons de cette haine, d'éduquer leurs enfants avec violence. Oui, c'est le sujet de notre émission d'aujourd'hui, la haine qui peut habiter le cœur des parents. Oui. Mais quand même, les parents qui viennent vous voir sont des parents qui ont pris conscience que quelque chose n'allait pas. Oui, ce sont des parents qui ont pris conscience qu'ils ne voulaient pas éduquer leur enfant de cette façon-là, avec violence, avec mépris, et qu'ils, malgré tout, malgré le fait qu'ils puissent lire des livres, malgré le fait qu'on leur dise « bon, ben c'est, faut faire attention, ne va pas trop loin », eh bien, ils n'arrivent pas à faire autrement que d'être violents avec eux. Cette haine, c'est ce que j'appelle la haine latente, qui a pris racine dans notre enfance par les traitements que l'on a reçus de nos parents, parce qu'ils nous ont laissé pleurer dans notre berceau, parce qu'ils nous ont jamais regardés avec amour, parce qu'ils nous ont jamais touchés non plus avec amour, et qui fait partie de nous et qui nous empoisonne quand, à notre tour, nous avons des enfants. Et cette situation n'est pas aussi rare que ce qu'on peut croire. On peut s'imaginer que vous parlez de situations extrêmes. Non, on en a sûrement côtoyé des enfants qui ont été élevés de cette sorte, oui, de cette manière. Vous pouvez dire que je ne parle pas en général de la maltraitance visible, celle qui est dénoncée en justice. Moi, je parle de tout ce qui est en dessous de, de cet iceberg-là, de ce que l'on voit pas et que l'on utilise pour accompagner nos enfants à grandir. À coup d'humiliation, de coups, de crise de colère, à leur faire peur. C'est de cette violence-là que je parle, oui. Et quelquefois même, simplement, le non-amour. J'entendais un chanteur qui disait « Je n'ai jamais senti la tendresse dans la main de mon père, même quand il me tendait la main. » Oui, mais le non-amour, vous savez, il se montre déjà quand on tape un enfant, même si c'est occasionnel, comme on dit, c'est très difficile ensuite de dire à son enfant, tu sais, je te fais ça, mais je t'aime quand même. C'est pervertir la notion de l'amour chez un enfant, parce que ça lui montre quoi ? Que même si on l'aime, on peut le frapper. Et ça, c'est très grave, parce qu'il va aussi utiliser les mêmes principes dans les cours de récréation ou partout ailleurs, et même dans sa vie d'adulte. Comment faire alors quand par hasard, j'ai envie de dire par hasard, on s'est laissé aller à un geste de violence vis-à-vis de son enfant ? Bien, déjà, bien sûr, auprès de l'enfant, c'est important de lui dire que ce n'est pas... c'est interdit de frapper un enfant. Déjà, là, je l'ai fait, mais c'est interdit. C'est vraiment interdit, et c'est que je ne vais pas bien. Et que là, je vais voir ce qui m'a amené à faire ça. Parce que je n'ai pas le droit de te faire ça. De lui donner justement ces repères-là pour qu'il ne les enregistre pas. Mais ça ne suffit pas que de le dire, parce que si c'est dire ça pour recommencer un mois après ou un an après même, ce n'est pas juste. C'est vraiment rentrer dans le mensonge avec son enfant. Donc la première chose à faire, c'est de voir qu'est-ce qui m'amène à frapper mon enfant. Pourquoi j'ai
à ce moment-là tant de haine, parce que quand on frappe un enfant, on est déconnecté de ses sentiments d'amour. On n'aime pas un enfant quand on lui crie dessus, quand on lui fait peur, quand on le frappe. Ce n'est pas vrai. Il faut oser le reconnaître, ça, déjà. Oui, j'ai l'impression qu'avec de tels propos, on peut inquiéter énormément de personnes qui nous écoutent, oui. Parce que nombreux sont ceux qui ont frappé ou qui ont crié ou qui ont fait des choses comme ça que vous dénoncez. J'ai l'impression avec beaucoup de justesse, enfin j'en ai même la certitude. Alors je pense qu'il faut beaucoup expliquer ce travail qu'on peut faire sur soi quand ça arrive. C'est très important parce que je peux déverser ma haine que j'ai emmagasinée dans mon enfance, la haine parce que je n'ai jamais pu me révolter contre mes parents, je peux la déverser sur des boucs émissaires, sur les émigrés, sur les prostituées, sur... C'est-à-dire prendre une catégorie de gens et on va dire qu'on les déteste, qui sont... Bien sûr, au lieu de la voir... La cause de tous nos malheurs. C'est ça, au lieu de voir combien j'ai été méprisée moi-même dans mon enfance, je vais mépriser tout ce qui va me déranger dans mon monde. Et là, c'est ça, et ça, c'est grave. Oui, la haine, dans ce cas-là, c'est un véritable poison pour notre organisme, dans ce cas. Alors, on essaye de regarder ce qui se passe en nous quand on est amené à un acte de violence vis-à-vis de son enfant. Il faut aussi analyser les haines qu'on peut avoir contre d'autres gens. D'ailleurs, on le sent, si on réfléchit à ce que vous dites, on sait qu'il y a des gens qui partent, comme on le dit, au quart de tour contre telle ou telle personne, et c'est pas très justifié. Non, bien sûr que non. Alors, très souvent, ce qui fait que on peut très bien, dans notre présent, aujourd'hui, en tant qu'adulte, haïr une personne, et souvent ce qui fait qu'on haït cette personne, c'est qu'on est dépendant d'elle ou que la personne est dépendante de nous. Et dans ce cas, la haine peut venir. Donc c'est important aussi de sortir, et on se croit obligé de devoir entretenir une relation avec cette personne, et du coup on se prend nous-mêmes dans ce piège de la dépendance, et là on en arrive à des sentiments de haine, bien sûr, parce qu'on fait souvent des choses contre ce que nous sommes, contre ce que nous avons envie de faire, très souvent. C'est très destructeur, ce sentiment. Oui, très destructeur. Et si on ne le reconnaît pas, c'est notre organisme qui peut en pâtir par la maladie ou par autre chose encore. Si on ne le reconnaît pas, ça veut dire qu'il faut essayer de réfléchir sur soi et de voir... que cette haine existe et de voir quelle est la cause de cette haine. C'est ça, l'appartenance de cette haine. Il ne faut pas en avoir peur. Vous savez, haïr des moments de mauvais traitements que l'on a subis dans son enfance, c'est normal. C'est absolument normal. Ça ne dure pas. Autant on le verra, autant on s'apercevra que c'est un sentiment qui peut durer quelques instants. On ne passe pas sa vie à haïr nos parents, c'est pas vrai. Mais juste quand des situations dans notre quotidien nous renvoient à cette impuissance d'enfant où on n'a pas pu se révolter, à ce moment-là, on peut sentir la haine de son parent, mais ça ne dure pas, c'est quelques instants. Ça ne dure pas si on n'entretient pas ce sentiment en soi. Et ça ne dure pas si on reconnaît ce sentiment. C'est ça. Exactement. Donc en fait, la haine peut être un poison pour son corps tant qu'on reste inconscient des traitements qu'on a reçus. Par contre, la haine peut être aussi un sentiment très réparateur et qui nous apporte toute notre force, toute notre énergie, toute notre santé, autant de temps qu'on reconnaîtra ce qui nous est arrivé. Ça veut dire qu'il faut toujours reconnaître ses émotions finalement. Oui, et les attacher vraiment à des situations réelles qui nous sont arrivées, bien sûr. C'est-à-dire les attacher à des, c'est-à-dire repérer dans son passé des situations qui ont provoqué cette haine. Oui, que j'ai dû enfin supprimer pour pouvoir continuer à vivre auprès de mes parents que je suis censée aimer. Et que je suis censée aimer, mais aussi qui sont les seuls adultes. Quelquefois, qui sont responsables de moi. Tout à fait. Et je n'ai pas d'autre choix avec des parents qui ne veulent pas que je me mette en colère, qui me veulent comme un enfant sage, idéal, idyllique. Je suis obligée de supprimer tout ce que je ressens, tout ce que je suis vraiment, pour pouvoir ensuite garder ça tout au long de ma vie d'adulte. Et c'est là que ça explose.
C'est ce qu'on appelle les bombes à retardement. C'est ce qu'on appelle les bombes à retardement. Souvent, elles arrivent même avant l'âge adulte. Elles arrivent malheureusement dans la jeune adolescence et dans l'adolescence. Bien écoutez, je pense que vous nous avez aidé à réfléchir sur la haine latente. Oui. J'ai quand même bien compris qu'il faut essayer le plus possible de regarder en soi pour se débarrasser de la haine, parce que c'est un poison, que ça nous empêche d'avancer. Oui, ne pas en avoir peur. Ne pas avoir peur de sentir cette haine. C'est pas vrai qu'on aime nos enfants 24 heures sur 24. Des fois, ils nous énervent. Et oui, et des fois, on les haït. Écoutez, je vous remercie et je note encore que si on le veut, on peut sortir de ce cercle infernal. Absolument, il y a des portes toujours ouvertes si on ose regarder. Si on ose regarder. Brigitte Auriol, je vous remercie. Je vous en prie.